Salut à tous les amis, ici Xola, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en avais pas mis sur ma chaîne, donc j'ai décidé de reprendre. Donc aujourd'hui tout simplement on va se retrouver avec mon AMX AC48, donc le nouveau chasseur de chars. Donc je vous ai pas encore fait une présentation de la branche, de la branche des TD, parce que c'est vrai que j'en ai même pas fait du tout je crois dans mes vidéos. Donc avant de commencer je vais vous parler de ce char. Alors que dire de ce char? Tout d'abord, donc c'est un tier 8 avec un canon de 120 mm, qui a une très bonne cadence de rechargement qui est à 9,97. Comme vous allez le voir, il balance pas mal de shoot, on va dire ça tourne entre les 350 voire jusqu'à 450 et un petit peu plus. Bon, c'est pas énorme, hein, sachant que le ISU peut coller, donc le chasseur de char rang 8 russe, lui colle pas mal de gros shoot, mais bon. Il a aussi d'autres avantages tels que son blindage frontal. Vous allez voir qu'il a un excellent blindage. Il faut bien viser les weak spots pour pouvoir le percer. Bon, attendez, je vais lancer la gamme en même temps. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre? Sa maniabilité. Il est très très rapide. Enfin, rapide dans le sens où on peut très facilement se repositionner. Alors, excusez-moi pour les espèces de petits frises qu'il y a. Bon, ça, apparemment, ça fait ça plusieurs personnes sur World quand ils regardent leur replay. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, ça va être après. Donc oui, une très bonne maniabilité, vous allez voir qu'on peut atteindre des vitesses, vous voyez là je suis à 45, bon remarque j'étais en descente mais bon j'atteins ouais les 40-45 on va dire. Donc là ce que je fais c'est que j'ai cassé les arbres tout de suite, pourquoi? Et ben, parce que tout simplement pour éviter de les faire basculer par erreur par la suite et me faire repérer. Donc là un petit L4, il se fait shoot, le T32, on le vise, mais alors là l'obus, on s'est pensé qu'il est parti, il a dû se volatiliser dans la map. Alors on le garde toujours en focus, donc je ne le vois plus. Donc là vous voyez que j'avais vraiment un bon spot sur tous les ennemis qui risquaient d'arriver dans cette zone. Et bien sûr toujours avoir un œil sur la cape. Vous allez voir que je vais pas forcément me faire repérer, donc j'ai pas encore ma première compétence. Malheureusement je suis qu'à 90%. Si je me trompe pas, oui je suis à 90%. Ensuite qu'est-ce qu'il a d'autre ce chat? Un bon sniper, vous allez voir que de loin il est assez précis quand on prend son temps, sachant que j'ai mis... non, je l'ai même pas mis. Pourquoi j'ai mis les barres de torsion d'ailleurs sur celui-là? Logiquement, je devrais avoir le truc de rechargement au moins de... Bon, écoute, une petite erreur, bon, c'est pas grave. Donc dessus, de toute façon, j'ai mis les télescopes binoculaires. Donc là, je vois un petit AMX 12 tonnes en danger. Donc je prends bien le temps de réticule, j'aurais pas envie de shoot mon 12 tonnes. Donc là, il va faire l'erreur de se mettre de dos et bam, on lui tire. Voilà, mais le 12 tonnes, je crois, voilà. Je sais plus s'il va survivre. Je sais plus. Pour l'instant, il est toujours en vie, donc un KV. Ouais, non, il est mort. Lui, on lui tire dessus au KVRS. Donc là, il va. Voilà, bien sûr, on sait toujours qu'il est là. Donc on va le terminer. Bam, on tire. Et voilà, il est mort. Ensuite, on engage sur le Churchill 7. Donc il se recule. Puis on prend le temps de focus. Donc là, il se fait vraiment dans une mauvaise position. Donc on attend bien. Hop, bah nickel. Et bon, on tire en même temps qu'un autre. Donc là, je cherche vraiment pas à voler les kills. Moi, les échards, ils me tombent sous le nez. J'hésite vraiment pas. Je tire. Là, il faut les laminer. Vous allez voir, après, je vais vous mettre le récapitulatif de bataille. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Sachant qu'en plus, je suis. Enfin, à l'heure actuelle où c'est que je fais la vidéo, il y a 3 jours x2. D'expérience et d'argent pour une victoire, donc ce qui était plutôt intéressant. Donc là j'ai vraiment pu en profiter, me faire pas mal d'argent puisque je vais bientôt passer sur le Foch. Alors j'en reviens aux équipements. Donc j'ai mis bien sûr un filet camouflage, donc ça peut être vraiment très utile sur un TD, surtout si je le joue en mode sniper. Et j'ai bien sûr mis donc voilà les binos. Alors le KV3, on le voit, on sait qu'il va reculer, on va attendre qu'il se fasse respot. Alors là, un type 58 qui vient derrière nous. Vous voyez, hein, le temps de réticule n'est pas énorme non plus. Donc on suppose qu'il est là. Donc on va essayer quand même de lui tirer dessus pour l'endommager. Là, je vois un T32 qui s'approche de la cape. Mais je vous dis, il y a toujours le type 58. Mais bon, je pense qu'il va se faire avoir. Le L4, lui, c'est une très mauvaise idée. Là, je sais pas pourquoi il a été. Il a été là. Donc là, bien sûr, le T32. Dommage, j'aurais pu me l'avoir. C'est dommage que j'ai pas fini avec la médaille guerrier, vous allez voir que c'est pas passé. Alors là un T28, alors par contre lui il est bien de flanc. BAM!
364. Vous voyez vraiment une cadence de feu qui est constante, constante, et c'est vraiment ce qu'on peut apprécier avec ce char. Donc, bam, on lui refait une autre. Et là, il disparaît. Alors là, je me dis, je vais pourquoi pas essayer de retirer au même endroit. Peut-être avoir de la chance de le toucher, mais non, même pas. Donc là, je me dis, je vais attendre. De toute façon, il serait bien obligé de repop. Donc bien sûr, il y a l'IS-3 qui était repéré, donc je me fais pas de soucis. Les autres vont s'en occuper. Donc vous voyez que j'ai pas perdu tellement de vie que ça. Par un shoot du T32, j'ai vraiment bien tenu ma position. Parce que là, c'est vraiment un super point de spot pour un TD. Bon, bien sûr, faut pas se faire déglinguer. C'est vrai qu'on en a pas eu beaucoup qui sont venus de ce côté-là. Ils sont tous restés vers ces flancs. Mais bon, ça m'a permis quand même d'avoir un bon champ de vision et de les aligner. Donc là, le M4, lui, j'avais peur pour lui. J'ai peur pour lui, donc je me dépêche de ridicule. Et voilà, je le termine. Donc voilà les amis, pour cette bataille. Donc j'ai tout de suite de vous faire voir le récapitulatif. Voilà, alors, on peut voir que donc j'ai gagné 41 000 d'argent et 2790. Bon, bien sûr, on est en x2, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc malheureusement, j'ai pas eu de ruban ou de trucs comme ça. Bon, un petit peu dommage. Ah, mais j'ai pas eu le temps de prendre le rapport détaillé. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai repéré le T32, le Churchill et le Type 58. Donc, comme on peut voir, donc j'ai détruit le T28 Prot, le Churchill, le KV1S, le Type 58 et le L4. Donc, je les ai vraiment tous bien endommagés. Donc, très important dans une bataille, c'est d'endommager vraiment mais un maximum de chars. C'est très très important. Ça vous permettra bien sûr de gagner beaucoup plus d'argent, d'XP et d'être utile à votre équipe, parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi dans World of Tanks. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite bataille vous aura plu. Donc je vous prépare aussi une petite compilation de tous les moments un peu fun que j'ai eu sur World of Tanks. Donc j'en ai déjà quelques-unes de prêtes, enfin des courtes séries de vidéos. Donc j'espère que cela vous plaira. Allez les amis, quant à moi je vous dis à la prochaine. Donc dans 2 ou 3 jours. Allez, salut à tous les amis.